Donc, pour aborder plus précisément le problème de la reconstruction, qui va occuper toutes les nations du monde, d'ailleurs, pas tout seul à reconstruire en France, toutes les nations vont reconstruire, auront à reconstruire. Nous avons invité le général Jean-Louis Georgelin, chargé d'un des chantiers les plus emblématiques, parce que tout le monde connaît Notre-Dame dans le monde entier. Et donc ce sera un chantier extrêmement surveillé, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, tant Notre-Dame, c'est le visage pour beaucoup de Paris. Jean-Louis Georgelin est sorti de Saint-Cyr, il a fait toute sa carrière dans l'armée. Il a été chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, président de la République, de 2002 à 2006. Il a été ensuite chef d'état-major des armées, c'est le plus haut grade possible dans l'armée française, de 2006 à 2010, et grand chancelier de la Légion d'honneur, de 2010 à 2016. Donc, l'incendie de la cathédrale s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, il y a donc 2 ans et demi, et le président de la République a demandé à ceux qui s'attachent à reconstruire Notre-Dame que, à son avis, il fallait que ce soit prêt en 2014. Donc nous sommes exactement à mi-mandat 2024. Pardon. Oui, c'est vrai que le président a beaucoup de pouvoir, sauf celui de reconstruire la cathédrale 10 ans avant. Donc, effectivement, 2024, pardon. Et donc, nous sommes à mi-mandat pour le général Georgelin. Et on va faire le point avec lui sur cette reconstruction. Je vais le chercher. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Comme vous êtes là, j'ai attendu que la musique s'efface pour vous recevoir. Alors, merci beaucoup d'abord d'être venu. Je voudrais dire tout de suite une chose que vous m'aviez dit tout à l'heure, Vous êtes venu ici de manière très précipitée pour nous rendre visite à tous, mais vous avez une obligation qui fait que ce soir, vous devez reprendre un avion et repartir, et donc vous aurez peu de temps, sinon pas de temps du tout, pour continuer de discuter seul à seul avec les personnes qui sont ici. Alors, juste un mot avant que nous voyions un film, puisque vous avez un film de 3 minutes sur la reconstruction de Notre-Dame. Vous êtes général, mais vous êtes rentré dans l'armée dès la fin de vos études, puisque vous avez fait l'école de Saint-Cyr. Quel était votre objectif quand vous êtes rentré à Saint-Cyr? De quelle vie rêviez-vous, général? C'est le genre de question que j'aime pas du tout. Oui, c'est pour ça que je vous la pose. Je sais bien, en plus je vous l'avais dit. Écoutez, je suis rentré à Saint-Cyr, vous savez, nul non datur fatum, dit-on. Nul n'échappe à son destin, mon père était officier. Les choses étant ce qu'elles sont, je préparais Saint-Cyr, je suis devenu officier, et le rôle d'un officier, d'un chef militaire, c'est de se préparer à la guerre, c'était à l'époque de la guerre froide, et d'être prêt à aller jusqu'au sacrifice de sa vie pour servir son pays, et d'entraîner des soldats sous ses ordres, pour qu'eux aussi ils soient prêts à se sacrifier pour la liberté de leur pays. Voilà ce qu'un jeune Saint-Cyrien a dans sa tête quand il part. Ensuite, sa carrière se déroule, l'histoire se déroule, les événements se déroulent, et on rencontre ou pas de grandes choses. Alors, qu'est-ce qui a donné cette réputation aux militaires de savoir organiser mieux que tout autre corps
les choses de manière organisée, de savoir assurer le renouvellement des choses. C'est-à-dire que les militaires ont pour réputation d'être de formidables logisticiens. Qu'est-ce qui fait que... Oui, enfin, ce ne sont pas que des logisticiens. Si vous voulez, la guerre, c'est le lieu de la mort et de la souffrance. On ne peut pas improviser. Donc, nous devons, pour économiser la vie de nos soldats et être efficaces, planifier avec une extrême rigueur, de manière à réduire les incertitudes. Clausewitz disait, on cite souvent Clausewitz, la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. En fait, c'est le règne du brouillard et de la friction. C'est un peu le cas du chantier de Notre-Dame, d'ailleurs. Et il faut être en mesure de réduire ce brouillard, de l'éclairer et de réduire tout ce qui s'oppose à l'action. Et donc, nous devons planifier avec une rigueur, être très exigeant. Le monde militaire doit être le monde de la discipline et de la rigueur au service d'intérêts qui nous dépassent. Vous pensez que votre qualité de militaire a compté dans votre désignation par le président de la République pour ce chantier ? Écoutez, le président de la République, probablement, il m'a dit lorsqu'il m'a reçu, j'ai cherché quelqu'un qui ait exercé des responsabilités au plus haut niveau de l'État. Et croyez-moi, dans ce que je vis ici, c'est indispensable pour pouvoir agir dans la jungle de l'administration française, de ses règles, de ses combats souvent étriqués et difficiles. Si vous le dites. Voilà. Deuxièmement, ce qui n'est pas tout à fait anormal, même si j'ai été violemment agressé parfois, il voulait quelqu'un qui soit un catholique, pratiquant ce qui est mon cas, et il voulait quelqu'un qui ait une réputation d'autorité, ce qui normalement devrait être le cas de tous les généraux. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans son bureau et que j'ai dit en avant. Et lorsqu'il vous en a parlé, quelle a été votre réaction ? Vous avez hésité ? Vous avez dit « est-ce que je suis bien fait pour ça ?» Un militaire ne doit pas hésiter quand on l'invite à aller au combat. Vous savez, j'ai pensé, et je vous assure que c'est vrai, à cet extraordinaire tableau du Caravage à Saint-Louis des Français. La vocation de Saint-Mathieu, où on voit le Christ qui... Alors, je ne suis pas en train de mutatis mutandis, bien sûr. Et Emmanuel Macron n'est pas Jésus-Christ et je ne suis pas Saint-Mathieu. Mais... Ça vous a donné une idée. Ça m'a donné l'idée. Bon, ça va, suis-moi. Et j'ai suivi. Je ne savais pas très très bien dans quoi je mettais les pieds. Je ne me pose pas la question de savoir si j'avais su, j'aurais peut-être pu dire non. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez, avant qu'il vous nomme, il vous nomma, on dit, est-ce que vous aviez un lien, vous, avec personnel, émotionnel, avec Notre-Dame ? Oui, parce que... Avant qu'elle ne brûle. Oui, parce que, d'abord, comme je l'ai dit, je suis un catholique pratiquant, et Notre-Dame, c'est l'église métropolitaine de France, c'est la première cathédrale de France, donc on est tout à fait sensible à ce qui se passe à Notre-Dame. J'ai habité dans mes dernières fonctions que vous avez citées à Paris, dans le 7e arrondissement, ce qu'un militaire ne peut faire que s'il y est affecté, car ce n'est pas notre monde et notre milieu. Et donc j'allais très fréquemment, à la messe à Notre-Dame. Et vous savez, pour les événements très très importants qui résonnent dans le monde entier et qui font que des centaines de millions, des milliards de gens prennent un choc au moment où la nouvelle arrive, chacun se rappelle, pour certains événements, où il était exactement à ce moment-là. Et dans cette fameuse nuit du 14 au 15, pendant que la cathédrale brûlait, où étiez-vous ? Alors, c'est extrêmement intéressant. Il y avait peut-être un clin d'œil du destin. J'étais à la maison... Vous avez rappelé que j'ai été grand chancelier de la Légion d'honneur. J'étais à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Germain-en-Laye pour le départ de l'intendante générale, c'est-à-dire, dans le jargon maison, la proviseure de ce lycée. Et dans son discours, l'intendante générale rappelait combien elle avait été frappée par mon amour des monuments, de l'architecture française, du patrimoine français. Comme grand chancelier, j'ai restauré à la fois l'hôtel de Salm, qui est la résidence
du grand chancelier sur les bords de la Seine en face du musée d'Orsay, et l'abbaye royale de Saint-Denis, auquel j'ai rendu ces pièces qui avaient été entresolées au XIXe siècle et toute sa splendeur, et elles montraient mon intérêt du patrimoine. Et je sors de cette cérémonie, mon téléphone sonne, et c'est un de mes anciens aides-de-camp, ce qui montre qu'il avait perçu que Notre-Dame était quelque chose d'important pour moi, qui me dit « Mon général, Notre-Dame brûle ». On peut peut-être embrayer le film. Non, oui. Juste un mot avant d'envoyer le film, si vous voulez bien. Lorsque vous avez été... oui, un mot aussi sur... Bon, en France, ça a été un choc énorme, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est un choc qui a été même en Russie. Ça a été un signe extraordinaire. Jean-Jacques Annaud est en train de finaliser un film qui va raconter la nuit de l'incendie. Uniquement la nuit de l'incendie. Il l'a lu, il a fait lire par ses équipes tout ce qui a été écrit sur l'incendie de Notre-Dame dans cette nuit. Et il va répercuter ça dans un film qui va paraître le 16 avril 2022, donc pour le troisième anniversaire de l'incendie. Et il a découvert des choses extraordinaires. Par exemple, dont on parle peu, devant l'ambassade de France à Moscou, des Russes sont venus se mettre à genoux pour prier pour Notre-Dame. Des chameliers le long du Niger sont descendus de leur chameau pour prier Allah pour Notre-Dame. Dans le monde entier, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. À Times Square, etc., etc. Ça a été un événement universel. Un dernier mot avant le film. Lorsque vous avez été nommé, j'imagine qu'il y a eu quelques crispations de la part de personnes qui pensaient peut-être, avant que vous ne fussiez nommé, que cette fonction devait leur être attribuée. Je parle des architectes en chef, de tous ceux qui, d'habitude, en France, s'occupent et dirigent les travaux de monuments français. Je mentirais si je vous disais que ma nomination a été accueillie avec un enthousiasme débordant. Quand un militaire dit ça, c'est en plus quand on connaît ses précautions, on peut imaginer. Oui, ça a été... Mais c'est tout à fait intéressant. Je crois que dans la nuit de l'incendie, souvenez-vous que vers 22h, on se demandait si Notre-Dame n'allait pas s'écouler. Ah oui. Et je crois que le président de la République a très bien senti que c'était un événement au cœur de la nation, que dans le cœur de chaque Français, de chaque Français, et au-delà, ça résonnait. Et donc que ça devenait son affaire, et que c'était à lui de prendre en compte cette affaire. Et il a dit, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à reconstruire cette cathédrale, parce que ça dépassait le cadre habituel, on va dire, de la réflexion du monument historique. En chef du ministère de la Culture, de la rue de Valois, des conservateurs, qui sont tous aujourd'hui des amis, naturellement. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Comme quoi, une colère n'est jamais éternelle. Oui. Mais de votre côté, il paraît que vous avez eu des mots durs de temps en temps, à leur égard. De temps en temps, il paraît que vous aussi, vous avez eu quelques mots durs à leur égard. Non, je parle assez clairement, donc j'ai mis des choses d'aplomb. Voilà. On a bien compris. Quand quelqu'un sort de son rôle, je n'hésite pas à lui dire, fermez votre gueule. Ce n'est pas votre affaire. Bon. Au total, ça plaît, en fait. Les gens aiment bien l'autorité, vous savez. Bon, il faudrait vérifier ça auprès d'autres personnes, mais bon. Alors... le film général, ce film dure à peu près 3 minutes. C'est 3 minutes simplement pour se mettre dans l'ambiance de ce drame de Notre-Dame. Allez, on regarde. Ça va nous rappeler à chacun précisément où nous étions dans cette nuit. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Thank you.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Merci, Général, de nous avoir apporté ce film qui nous remet la nuit du 14 avril. Oui. C'est un film que j'avais fait faire pour le premier conseil d'administration de l'établissement public que je préside. Et je vous assure que pour mettre tous ces gens, qui sont tous des grands docteurs, des gens extrêmement capés, etc., tout le monde était très ému. On ne voit pas du tout ces images, même encore aujourd'hui. Je suis sûr que dans la salle, des gens ont les larmes aux yeux. C'est ce drame que nous avons vécu était poignant. Et on le sent bien dans ces images. Alors, juste après l'incendie, donc on vient de voir le président de la République, et à l'époque, il avait dit qu'en 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024, l'édifice devait être remis au moins à la disposition des fidèles et pour que le culte puisse être prononcé. Nous sommes à mi-mandat, général de votre mandat, sur cette affaire. Sommes-nous dans les temps? Est-ce que vous pensez que cette échéance-là pourrait être tenue? Écoutez, je réponds à ça, j'ai été nommé pour ça. Pour que l'on rouvre cette cathédrale au culte et à la visite en 2024. Il faut qu'en 2024, l'archevêque de Paris retrouve sa cathédrale. Je fais observer au passage que la cathédrale de Notre-Dame, dont la première pierre a été posée en 1163, est le seul monument ancien de Paris qui est encore utilisé dans la fonction pour laquelle elle a été construite. Tous les autres monuments ont changé. Le Louvre n'est plus le palais des rois ou des présidents de la République, etc. etc. 12e siècle. Hein. 12e siècle, 1163. Et nous la rouvrirons et nous nous battons. Et je peux vous dire que toute mon équipe, tous mes architectes, Philippe Villeneuve, le patron des architectes en chef des monuments historiques, tous les jours, nous avons comme horizon 2024 et nous rouvrirons. Vous savez, je dis... Les Italiens ont dit qu'ils rebâtiraient le pont de Gênes en 2 ans. Tout le monde a rigolé. Ils ont rebâti le pont de Gênes en 2 ans. Nous, malgré les difficultés, malgré les tracasseries administratives, dans le respect naturellement du Code du travail, du Code des monuments historiques et du Code des marchés publics, car nous n'avons eu aucune dérogation puisque le Parlement les a toutes érasées, nous rebâtirons Notre-Dame et nous la rendrons au culte en 2024. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tout sera terminé, loin de là. Combien de personnes sont engagées sur le chantier? Alors, ça varie en fonction des oui, périodes. À la fin, ce sera... D'abord, point intéressant, mon établissement public, c'est 30 personnes. Ce qui était extrêmement... peu. Votre, l'établissement public que vous présidez. Que je préside. C'est-à-dire les gens qui assurent la maîtrise d'ouvrage et au-delà, c'est extrêmement peu au regard de la complexité du travail administratif qu'il faut fournir et des contrôles que nous subissons. Il y a 88 établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture. Je suis l'établissement public le plus contrôlé de France. La Cour des comptes, vous avez un petit... La Cour des comptes, le vous Parlement... Elle vous a dit que vous n'étiez pas totalement transparent. Elle a dit ça, la Cour des comptes. Comment? Vous l'avez lu, ça? Oui, mais vous savez, j'ai été chef d'état-major des armées, j'ai été grand chancelier, je sais lire les rapports de la Cour des comptes. Mais n'empêche qu'il faut recevoir, parler, etc. Et nous avons une part importante de notre temps qui est hypothéquée dans ces contrôles, au détriment, évidemment, des forces... La réalisation de l'ouvrage, oui. Ensuite, vous avez la maîtrise d'œuvre, hein, avec 3 cabinets d'architectes, des architectes en chef du monument historique, dont Philippe Villeneuve et Luder. Philippe Villeneuve, qui était l'architecte de la cathédrale avant l'incendie, déjà.
Et puis, nous avons les entreprises et les gens qui viennent travailler sur les chantiers, ceux que dans les monuments historiques, on appelle les compagnons. Alors, des fois, il y a 150 compagnons. On pense que l'on montera au top de la reconstruction jusqu'à 300 ou 400 compagnons ensemble. Mais, par exemple, aujourd'hui, nous avons reçu ce matin la visite du Premier ministre. Nous venons d'achever la phase de consolidation. Et nous rentrons dans la phase de reconstruction proprement dite. Il fallait qu'on s'assure que la cathédrale était solide sur ses piliers, que ses tours étaient bien solides. Elle aurait pu tomber, malgré la fin de l'incendie, elle aurait pu encore tomber. Bon, les examens que nous avons faits, si je puis dire, ont montré que ce n'était pas le cas, mais on était en droit de le suspecter. Donc il n'était pas question de reconstruire. Fallait vérifier tout. Ouais. On n'était pas question de reconstruire la voûte, de lancer la reconstruction de la voûte, de lancer la reconstruction de la flèche, avec les centaines de tonnes que cela représente, sans avoir vérifié pilier par pilier les tours, etc. La solidité. Nous avons décrété en septembre la cathédrale est solide. Nous allons reconstruire la voûte, les transepts, la flèche, le grand comble, etc. Voilà. Et là. En ce moment, nous sommes dans un creux. Nous avons lancé des appels d'offres, 37 appels d'offres à tous les corps d'État, des allotissements, etc. Nous en lancerons une centaine jusqu'en début 2022 et nous serons parés pour, dans les deux dernières années, reconstruire. À l'identique pour l'extérieur, différemment à l'intérieur, bien sûr. Alors, vous avez dit le mot « compagnon ». Mais c'est une formidable histoire, l'engagement des compagnons dans la reconstruction. Parce que, en fait, vous avez parfois fait revivre des métiers qui auraient peut-être disparu s'il n'y avait pas eu le chantier de la cathédrale. Vous savez, c'est... Des verriers... Quand je vais sur le chantier et que je vais voir les compagnons, je ressens les mêmes sentiments que lorsque j'étais chef militaire et que j'allais voir mes soldats sur le terrain. Leur fierté à ces jeunes qui ont choisi des métiers d'art ou des métiers de menuisier, de couvreur, etc., leur fierté de participer à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-Marie est palpable. C'est absolument extraordinaire de voir. Nous avons eu, comme tout le monde, le Covid, nous avons été arrêtés pendant un mois en mars 2020, pas la deuxième fois. Et les gens sont revenus, je les ai fait revenir 15 jours. Nous sommes le premier chantier à avoir redémarré. Ils étaient heureux de redémarrer. À l'époque, il y avait ce fameux grand échafaudage qu'on voyait à démonter. Hein. 40 000 pièces, 400 tonnes, colossales, par des cordistes. Et ils ont quasiment eux-mêmes proposé de travailler jour et nuit. C'est extraordinaire. Dans le respect du code du travail français, naturellement. Je le dis si jamais il y avait des espions. On sent que vous êtes fait des amis dans cette administration. Non, mais ça se passe très bien, mais on se dit les choses. Voilà. Alors... l'argent, évidemment, il faut beaucoup d'argent. Au départ, donc quelques semaines après l'incendie, il y a eu énormément de propositions, 830 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que d'abord les promesses ont été tenues ? Est-ce que vous recevez régulièrement un déblocage des sommes qui ont été promises, on va dire ? Et on avait parlé à l'époque de 330 000 donateurs, ce qui est un nombre considérable. Est-ce que tout ça vient comme c'était prévu ? Alors, je n'ai jamais eu le moindre doute, mais alors vraiment jamais, jamais, sur le fait que les promesses de dons seraient honorées. C'est le cas. Nous avons 843 millions d'euros. Une grande municipalité a retiré les 50 millions qu'elle avait donnés, mais il faut reconnaître que c'était pour les affecter aux abords, qui ne sont pas financés par... Ah oui, qui ne sont pas financés par... J'ai reconnu cette ville, donc il y a une certaine légitimité. Nous n'avons... Mais alors, évidemment, comme on est en France, on a évidemment construit une usine à gaz pour que l'argent nous parvienne.
Vous ne consolez pas d'avoir quitté l'armée, en fait. Nous avons 4 fondations, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame et le Centre des monuments nationaux, qui reçoivent l'argent, qui l'envoient à Bercy, qui transforment ça en fonds de concours qu'ils donnent au ministère de la Culture, qui nous l'envoie. Alors évidemment, à chaque fois, vous avez un comité Théodule pour vérifier. Et les 30 personnes, on est là, voilà. Non, mais c'est très bien, comme ça on est sûr de ne pas se mettre d'argent dans sa poche, ça serait très compliqué pour nous. Voilà, donc nous avons l'argent, et c'est la première caractéristique de ce chantier, c'est le délai. Dans les monuments historiques, on n'est pas habitué à avoir l'épée de Damoclès du délai, ça c'est nouveau. Bon. Et il fallait peut-être effectivement un militaire pour rappeler que ce n'était pas pour rigoler. Deuxièmement, nous avons l'argent. Là aussi, dans les monuments historiques, dans les chantiers du patrimoine, ce qui est d'ailleurs curieux pour un pays comme la France, riche d'histoire, etc., qu'on ne prenne pas en réalité davantage soin de notre patrimoine. Notre-Dame de Paris, il faut le savoir, l'État mettait 2 millions d'euros par an pour reconstruire cette cathédrale qui était dans un état assez lamentable, croyez-moi. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec l'incendie, naturellement. Il y avait à cette époque un chantier sur la Flèche, au moment de l'incendie. C'était 20 millions d'euros sur 5 ans. Là, pour la seule phase de sécurisation, nous avons déjà dépensé 150 millions d'euros. Ça vous donne une idée de l'échelle. Voilà. Mais bref, pour répondre à votre question, l'argent, nous l'aurons, j'en suis sûr. Vous dites 330 000 donateurs, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Hein. C'est bien, mais... Mais ça suffit. Ça suffit, et il faut aussi noter que 6 donateurs à eux seuls font pratiquement 600 millions d'euros. Ouais, ouais. Mais il y a des choses très émouvantes. L'archevêque de Paris a reçu un jour un petit garçon qui lui envoie « Monseigneur... j'ai reçu 10 euros pour mon anniversaire, je vous les donne pour la cathédrale. » Il y a eu un concert à Saint-Louis des Français à Rome pour la reconstruction de la cathédrale. La brave mendiante, en tout cas m'a-t-on dit, qui était devant la porte, qui avait récolté 24 euros, est allée la donner au recteur de Saint-Louis des Français. Il y a plein d'histoires touchantes comme ça. Et puis, ça vient du monde entier. 70 millions d'euros, par exemple, proviennent des États-Unis. Des fondations. Alors, je peux faire la quête, si vous voulez, après le... Avez-vous donné vous-même, d'ailleurs ? Je donne ma vie, mon temps et tout. Bonne réponse, mais bon. Avez-vous eu des visites privées, président de la République, par exemple, depuis le début du chantier ? Alors, le chantier de Notre-Dame, ça c'est une de mes grands combats pour que mes gens puissent travailler en paix, c'est vraiment la place to be. Oui, il faut en être. Excusez-moi pour y être. Le Quai d'Orsay, dès que quelqu'un vient, invite les gens à venir. Alors, oui. Je me fais encore beaucoup d'amis, par exemple, Madame Harris est venue l'autre jour à Paris, j'ai dit non. Mais pourquoi ? L'un Vous avez refusé de recevoir la vice-présidente des États-Unis. J'ai pas refusé. J'ai expliqué à l'ambassadeur que c'était stupide de la faire venir sur le chantier de Notre-Dame parce que c'est un chantier en ambiance plomb, qu'il faudrait qu'elle mette, grâce au code du travail bien sûr, une combinaison, des bottes, un casque, qu'elle se mette nue, qu'elle passe en zone sale, c'est-à-dire en zone plomb. Une fois qu'elle a fait sa visite, elle enlevait tout ça, elle prenait une douche, cheveux compris, elle partait. Quand j'explique ça, en général, les gens comprennent. Mais, voyez-vous... On comprend, même si on n'est pas militaire. Voilà. C'est tous ces petits combats qu'il faut... Je parlais tout à l'heure de la friction clausewitzienne. La friction, c'est tout ça. Une visite d'autorité sur le chantier, pour moi, c'est 3 heures. Il faut en plus, code du travail... avoir une formation plomb. On vous explique que vous allez perdre 3 points de QI dans 15 ans si vous n'avez pas de truc. C'est extrêmement grave. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous reçu des personnalités hors programme ? Alors, cela dit, évidemment, les autorités françaises, par exemple, ce matin, je vous l'ai dit, j'ai eu la visite qui s'est décidée à la dernière minute
du Premier ministre. Bon, évidemment, j'ouvre les bras, monsieur le Premier ministre, soyez le bienvenu. Malgré le plomb. Mais attendez, le Premier ministre met son truc, etc., sa combinaison, ses bottes, ses machins, passe de l'autre côté, visite, ressort, prend sa douche. Le président de la République est venu, il est venu pour l'anniversaire du deuxième, il a pris sa botte, son machin, son truc, de l'autre côté, il est ressorti, douche et il est ressorti. Voilà. Et voilà, alors... Pas de passe-droit. Comment ? Pas de passe-droit dans la cathédrale. Non, pas de passe-droit. Et moi, chaque fois que j'y vais, en pestant régulièrement, je fais la même chose. Mais, si vous voulez, c'est important parce que les chefs d'entreprise me disent que pour leurs compagnons, c'est 25% du temps consacré à ces process. Bien sûr. Ce qui veut dire que 25% du coût... 25%. Alors, à mon avis, ils exagèrent un petit peu. Ouais. Mais c'est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que si un type sort dans pour aller déjeuner ou je ne sais pas quoi, il fait le truc. C'est-à-dire on lui donne une autre combinaison. Même si on sort au milieu de journée. Mais évidemment, vous êtes en zone sale, vous allez contaminer Paris, donc vous ressortez. Le plomb est un point important de la friction sur ce chantier. Est-ce que... j'ai un pour finir. Est-ce que vous pensez, lorsque vous avez accepté la mission, j'imagine que vous l'avez imaginée dans votre tête, et est-ce que la réalisation en cours de route, puisqu'on en est à la moitié, vous a apporté énormément de surprises par rapport à ce que vous imaginiez ? Du point de vue personnel, du point de vue... Oui, si vous voulez, il y a plusieurs éléments dans cette question. D'abord, quand le président de la République vous appelle... et vous dit « je veux que vous soyez mon représentant spécial pour ce chantier qui est le chantier ». Alors on parle le chantier du siècle, c'est pas vrai, il y a des chantiers même à Paris qui sont beaucoup plus grands. Je pense par exemple au chantier du Grand Paris Express, c'est des chantiers colossaux. Oui, du point de vue de l'argent. Mais c'est le chantier le plus symbolique, c'est celui que le monde entier regarde. On est quand même assez fiers, donc on part. Et ensuite on se dit « on verra ». En plus, j'étais à la retraite. Et comme disait une de mes amies, il vaut mieux les ennuis que l'ennui. Et j'ai été largement servi. C'est une militaire aussi ou pas ? Comment ? Votre amie est militaire ou pas ? Non, c'est une journaliste. Elle a le goût des mots, mais c'est bien dit, oui. Et vous avez dit tout à l'heure que la cathédrale a commencé à... poser la première pierre en 1131, donc 1163, donc au XIIe siècle. Vous participez à un événement considérable qui est la reconstruction après l'incendie. Mais finalement, vous dites souvent, la reconstruction ne sera pas finie après qu'elle sera remise en état. C'est éternel, la reconstruction. C'est éternel. Si vous voulez, la cathédrale est en chantier permanent depuis 1163. D'abord, quand j'entends ce que j'appelle dans les conflits qu'il y a sur ce chantier, il y a des oppositions entre ce que j'appelle les Viollet-Ducistes de stricte observance, c'est-à-dire les adorateurs de Viollet-le-Duc, et qui voudraient reconstruire la cathédrale de 1864. Il y a l'affectataire, c'est-à-dire l'archevêque et le clergé, qui, lui, a juste raison, veut adapter, profiter de cet incendie, si je puis dire, pour adapter l'intérieur à une stratégie moderne, à une liturgie modernisé. Il y aura des changements à l'intérieur. Il y aura quelques changements, oui. Voilà, on va. Important, c'est. Non, mais il y aura une utilisation sans. Tout ceci est à l'état de projet, donc je n'aime pas parce qu'on a des amis journalistes. Pas encore décidé. Pas encore décidé, mais il y a des réflexions sur l'organisation, sur la lumière, sur les décors, etc., sur ce que l'on peut introduire comme art moderne dans la cathédrale, ce qu'avait déjà fait le cardinal Lustiger. Mais ce que je veux dire, c'est que cette cathédrale, elle a été en métamorphose permanente. On l'avait à peine construite à la fin du XIIe, début XIIIe, que déjà on démolissait les baies du chœur pour les agrandir. Pof, 50 ans après, on construit les chapelles latérales. Sous le cardinal de Noailles, on casse l'autel, machin truc, on fait un nouveau chœur. Et ainsi, le Viollet-le-Duc lui-même a détruit pas mal de choses. Donc c'est un chantier permanent. Chaque époque porte son génie. Mais toujours, toujours, toujours dans le respect de ce qu'a voulu Maurice de Sully. C'est-à-dire le plan d'ensemble de la cathédrale n'a pas varié. Le respect du gothique, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous l'avez observé,
la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans sa séance du 9 juillet 2020, a avalisé, validé le fait que nous reconstruirions à l'identique, ce qui veut dire que la flèche, la couverture du grand comble, le toit donc, et la charpente seront refaits comme à l'identique, ce qui veut dire qu'il y aura du plomb sur la couverture du grand comble, ce qui va être... À l'identique, ça concerne aussi les matériaux. Comment ? À l'identique, ça veut dire... l'identique, ça veut dire respect des formes et des matériaux. Et des matériaux. Alors, qu'en ai-je entendu ? Il faut être complètement con pour reconstruire une charpente en bois alors qu'elle vient de brûler. Tout le monde ne rit pas, là, vous voyez. Bon, il y a ceux qui vous expliquent que le plomb sur les toits, ça va ruisseler dans les eaux de la Seine et ça va contaminer tout le monde. Si je prends simplement Paris, là, il y a 2 ans, on a refait le dôme du Panthéon en plomb. On vient de terminer le toit de la chapelle royale de Versailles, qui est un des sommets de l'art français en plomb. On est en train de recouvrir de plomb Notre-Dame de Reims. Mais à Notre-Dame, on nous regarde un peu plus, etc. Voilà, c'est le genre de combat que j'ai. Et je dois résoudre ça pour que mes gens puissent travailler dans la sérénité et vers 2024. Alors, une dernière question. On a bien compris que vous avez connu beaucoup de problèmes, que l'administration vous a imposé toutes ces règles, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Juste pour finir, à quel moment, je ne parle pas de votre nomination, à quel moment vous avez, en dirigeant ce chantier, connu un moment vraiment de grand, grand bonheur ? Un moment que vous n'oublierez pas et qui comptera dans les jours que vous aurez passés à cette mission ? C'est difficile à dire. Vous savez, quand on est sur une œuvre difficile et complexe, on a les yeux fixés sur l'objectif, on ne se pose pas tellement ce genre de questions. Ce que, pour aller un peu plus loin dans la confidence, ce qui m'a rassuré de ce point de vue et me dire qu'on était bien sur la bonne ligne, vous disiez tout à l'heure que ma nomination n'avait pas été accueillie avec une joie sans mélange par la rue de Valois. J'imagine que les gens savent que c'est le ministère de la Culture. Ce qui, entre parenthèses, je le dis tout de suite, ne m'a pas empêché de travailler remarquablement bien avec l'administration du ministère de la Culture, car ils nous ont aidés. Mais c'est quand j'ai senti que les équipes de la culture, les architectes en chef de l'Union historique, étaient bien en phase avec l'objectif. Sur l'objectif, la date, et qu'il fallait vraiment faire tout pour que ça réussisse. Pas de s'échapper par d'autres chaînes de commandement plus classiques. Voilà. Et ça, c'est un souci constant. Faire en sorte que d'avoir bien ses troupes dans sa main. Bien. Merci beaucoup, mon général, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre témoignage, qui est un témoignage unique. Vous êtes en ce moment la tête de ce chantier qui intéresse tous les Français, évidemment, et même au-delà, à l'étranger. Et c'est une bien noble mission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je sais que vous êtes pressé de reprendre l'avion pour aller à votre... Rentrer à Paris pour d'autres aventures. Voilà. Merci beaucoup.